Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour. Alors oui, c'est vrai que pendant les vacances, je n'ai vraiment pas du tout été présente. Et bah voilà, hein, je veux pas non plus m'excuser parce qu'il faut bien que je parte en vacances. Mais après, je suis désolée parce que j'ai vraiment eu un manque de temps. Et puis, des fois j'ai fait des vidéos, mais ça n'allait pas. Je sens que ma fenêtre va me gonfler, donc je vais la fermer. Voilà, je vais avoir un peu chaud, mais c'est pas grave. Donc du coup j'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos, donc je reviens aujourd'hui. Donc ma rentrée c'était ce matin, hein. Voilà, je m'y prends la rentrée pour faire une vidéo, oui, logique, normal. Donc voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, moi ça a été. C'est ma dernière dans l'académie, enfin je veux dire, voilà, ma dernière rentrée où je serai étudiante, lycéenne, collégienne, tout ce que vous voulez. J'en ai marre, j'en peux plus, normalement je devrais déjà être en BTS. Et je me tape encore une année de lycée, mais c'est pas grave, je suis une warrior, je vais y arriver. Hein, on espère, on croise les doigts. Bref, donc aujourd'hui je vous fais une petite, je pense que ça va être une longue vidéo, pour vous montrer tous mes achats, mais ça remonte, il y a des achats qui remontent très très loin. Après j'ai mes achats de solde aussi que je vais vous montrer, parce que je n'ai jamais eu le temps de vous les montrer. Il faut savoir qu'il va manquer des affaires, mais je vous montrerai ça par la suite. Et j'ai fait d'autres achats hier et je vais en recevoir d'autres bientôt. Enfin voilà, vous allez voir pas mal de hauls en ce moment. Donc c'est un de mes premiers hauls, je vais appeler ça haul, hein. Donc voilà, on va commencer tout de suite, sinon ça va être trop long. Donc voilà, excusez-moi un peu pour ma tête, hein. Je sais pas trop comment me coiffer, c'est un peu à la wall again, beast to fly, hein. Ok, c'est parti. Alors premièrement, j'ai acheté un short pour l'été. Donc voilà, je vais pas détailler 3 heures, hein. Je l'ai eu en solde. Il est comme ceci, donc c'est un short taille haute que j'aime beaucoup, je l'ai très, j'ai beaucoup porté cet été. Et il m'a coûté en solde, je crois que je l'ai eu à 9€ au lieu de 24, donc une très bonne affaire. Alors ça je voulais juste vous montrer, je sais pas si vous connaissez ces fameux jeans avec la langue Rolling Stone derrière. Moi ça se vendait dans un magasin à Rouen qui s'appelait Authentique, qui n'existe plus maintenant. Et juste en fait ce jean là était complètement troué et tout. Du coup j'ai transformé en short et je l'ai customisé avec des petits clous que j'avais sur une ceinture. Donc ça donne ça. Et je le trouve plutôt sympa customisé. Donc voilà, je l'ai mis 2-3 fois cet été. Et puis bon, il y a la petite langue derrière, ça donne un petit côté rock and roll. Donc voilà. Donc bah ça c'était juste de la récup. J'ai fait beaucoup de trafic de vêtements en ce moment. Je coupe plein de jeans, de t-shirts, je suis un peu une folle. Ensuite, un new look aussi, j'ai acheté le même jour que le short que je vous ai montré. Un short comme ça, à motif ethnique, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc il y a une petite ceinture normalement, mais elle n'est pas là. Et pareil, je l'ai eu à 9€ au lieu de 24, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc je vous montre rien dans l'ordre. Ensuite, toujours un new look, j'ai acheté cette magnifique robe. Donc voilà comment elle est devant. Comme ceci. Et alors ce que j'aime le plus c'est le dos. En fait vous avez donc les petits boutons et après il y a un triangle, un trou dans le dos comme ça, c'est magnifique. Et donc c'est des petits motifs en fleurs. Et donc je voulais la corail, en fait il y avait une corail magnifique mais elle n'était plus à ma taille. Et donc elle je l'ai eu à 15€ au lieu de je ne sais plus combien. Mais je l'ai à 15€ en solde. Ensuite j'ai acheté cette longue chemise bleue. Donc longue. Voilà, hein. Et en fait j'adore parce que ça avec une petite ceinture pour resserrer à la taille, c'est juste trop joli, donc voilà. Donc j'ai eu à Tax Woman, donc c'est Carrefour. Le prix, aucune idée, je ne me souviens pas du tout. J'ai vraiment une gueule, mais... Ensuite, donc ça pareil, ça fait vachement longtemps, ça devait être en mai, mais pareil, je crois que j'ai jamais eu l'occasion de vous la présenter. C'est une chemise blanche de chez Hollister. Donc voilà, elle est simple, il y a juste le petit slogan Lister et puis elle est comme ceci. Et pareil, je l'avais eu en solde, elle était à 42 et je crois que je l'avais eu à 15€. Ensuite, un new look, une magnifique robe que j'ai eu à 111€, je crois, au lieu de je ne sais plus combien, que j'aime beaucoup. Donc voilà, un motif ethnique comme ceci, assez moulante et puis elle arrive au-dessus des genoux à peu près.
Ensuite, il y a une robe que j'ai achetée au marché cet été quand je suis partie à Perpignan. J'ai eu à 10€ sur le marché, j'en avais pris une autre, mais là elle est au sale parce que j'ai eu un anniversaire et je l'ai mise ce week-end. Elle est magnifique, elle est courage, je vous ferai une tenue du jour avec. Et donc là, je l'avais eu celle-ci aussi, donc à 10€, et je la trouve juste magnifique. Donc encore des motifs ethniques. Et donc voilà comment elle est. Et en fait, donc elle est plus courte devant que derrière, elle est un petit peu plus longue derrière. Et voilà, je trouve que franchement portée, elle rend merveilleusement bien. J'essaierai de vous faire une tenue du jour avec. Même si honnêtement, je pense que c'est pas maintenant que je vais pouvoir la remettre. Ensuite, hein, ça c'était mon petit coup de cœur des soldes. Je l'ai eu en solde chez New Look aussi. Hein. Donc c'est une petite tunique comme ceci. Donc le col est comme ça. Et donc c'est une tunique combi short. Et derrière, vous avez une petite fermeture comme ça. Et je l'adore. Et celle-là, je l'ai eu à 15€, il me semble. Ensuite, chez H&M, j'ai eu ce magnifique slim rose corail. Enfin, je sais pas comment vous allez voir la caméra. Donc voilà, il est comme ceci. Et là, par contre, je ne l'ai pas du tout eu en solde. J'ai acheté hors solde en rentrant de Tunisie. Et donc, je l'ai eu à 20€. Il est toujours disponible pour celles que ça intéresse. Ensuite, c'est aussi un truc que je ne vous ai pas montré. Que ça, j'ai eu vraiment il y a longtemps, mais je ne vous l'ai jamais montré. C'est un gilet Hollister avec des petites poches comme ceci. Donc le voilà, et ça en fait c'était mon copain qui me l'avait acheté et ça m'avait fait beaucoup plaisir. Ensuite ça c'était avant les soldes à New Look, c'est un petit débardeur comme ceci, tête de mort avec les manches très échancrées. Hein. On pourrait rentrer trois têtes dedans, voilà. Ensuite en solde aussi j'avais acheté ce petit débardeur rose là, enfin rose rouge hein. Qui est pareil, il est un petit peu... Bon, là, il est collé, mais il est plus long devant et plus court derrière. Donc, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et ça, avec un short, ça passe crème. Ensuite, ça, c'était aussi un petit moment, bien avant les soldes. Un petit truc comme ça chez H&M. Ce petit t-shirt-là que j'adore. Enfin, c'est pas un t-shirt. Hein. Je trouve que bah, ça fait cool, détente. Voilà. Je l'avais eu à 20€. Chez New Look, j'avais acheté ce t-shirt là que j'avais eu à de 14€. Donc voilà. Chez Promode, j'avais eu donc New Look pas en solde et H&M non plus. Donc là, chez Promode, pas en solde non plus, j'ai eu ce magnifique t-shirt que je trouve trop joli qui est un petit peu plus court derrière, un petit peu plus long, pardon. Et là, oui, c'est assez transparent en fait. Et porté avec un short, c'est magnifique. Et j'avais à 35€. Et enfin, donc lui, c'est je l'ai eu hier. J'ai acheté hier. Donc il m'a coûté 12€. Il vient de chez Camus Rose. Et je l'adore. Voilà, un magnifique t-shirt clouté avec une croix, pardon. Donc voilà, puis les manches assez larges aussi. C'est vraiment en ce moment mon kiff, c'est les clous quoi. Pour continuer, hier j'ai acheté un slim que j'ai mis sur moi aujourd'hui, je vous montrais. J'ai eu dans le nouveau H&M de Rouen, parce que à Rouen il y a un H&M qui est ouvert qui est tout simplement génial. Donc je vous montre le jean. Est-ce que vous allez voir? En fait c'est un rouge délavé. Vous voyez là, il fait assez rouge, mais là il est complètement délavé. Je vais vous prendre l'appareil photo pour vous montrer. Il fait complètement délavé et donc là vous avez des petits trucs comme ça. Oula, et là il y a des petits trous même. On peut apercevoir ma peau. Enfin voilà, je le trouve vraiment très joli. Coucou. Alors maintenant, donc il manque des affaires, mais je vous les montrerai plus tard. On va passer aux chaussures. Donc chez New Look, j'ai acheté cette paire de chaussures là en solde à 20€, il me semble, ou 25. Corail, j'adore. C'était bien avant les ça, j'ai acheté une paire d'espadrilles qui est complètement niquée. En dentelle en fait, c'est ce que j'aimais. Une paire passe-partout aussi pour... Oh je vais trop vite, c'est horrible. Une paire de chaussures passe-partout un peu tongue, c'est joli. Avec plein de petites paillettes pour sortir, c'est sympa quand vous ne voulez pas mettre de talons. Alors ça aussi c'est un achat que je voulais vous montrer depuis, mais je ne sais pas combien de temps. Donc je vais enfin réussir à vous montrer. C'est une merveilleuse paire d'Adidas que je trouve juste trop beau. Trop belle, pardon. Donc voilà, elles sont blanches et argentées. Et je les adore. Et elles m'ont coûté 107€. Ouïouïouï!
Encore une paire de compensés que j'avais acheté en même temps que mes espadrilles. Ah, je les avais eu à 29, il me semble, sur les 3 Suisses. Et mon dernier achat. Mes bébés. Mes petits amours. Mes fausses. Mais j'insiste sur les fausses haches. Voilà, mes bottes cloutées que j'aime à la folie. Donc là, en fait, vous avez un esprit cuir. Et là, vous avez un esprit daim. Et donc là, vous avez une multitude de clous dessus. Et voilà, je les adore. J'en cherchais. Et puis, bah, je les ai trouvées. Donc avec mon slim rouge, ça déchire, ça rase. Et elles, donc, je les ai coûtées. Elles m'ont coûté 40€. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai une veste en cuir de chez les 3 Suisses. Toute simple, mais qui fait bien son charme. Donc, je la trouve sympa. Voilà. Et j'ai acheté également dernièrement mon sac de cours, qui est donc celui-ci. Donc avec des lanières, des lances noires. Ici c'est camel et là c'est noir. Et puis là vous avez une petite fermeture avec des petits froufrous, enfin des petits pompons. Et j'adore ce sac. Voilà, donc bah, tout ce qui est vêtements, chaussures et sacs, je vous ai tout présenté. Donc c'était un petit peu rapide, je m'excuse. Mais voilà, j'essaie de rattraper mon retard. Et donc faut pas trop que je m'attarde sur la vidéo, parce qu'après j'ai beaucoup de montage et de boulot qui m'attend derrière. Je vous fais de gros bisous. J'arrive très vite avec les résultats du concours pour les barrettes. Je vous fais de gros bisous les filles.